Bonjour, je vous propose de réaliser un poisson en papier. Alors, il vous faut des feuilles, de la colle, des feutres, un crayon et des ciseaux. Je vais réaliser un carré dans une feuille de papier rectangulaire. Pour cela, je la plie en deux. Je la découpe. J'en mets une partie de côté. Avec l'autre, je plie selon la diagonale. Et je rabats le petit morceau qui dépasse afin de le retirer. Voilà, nous avons obtenu le carré. Je replie le carré toujours sur la diagonale. Et là, je vais faire correspondre mon bord de gauche avec le trait de la diagonale. Je marque bien mon pli et je rouvre. Je vais tracer un arrondi dans l'angle de droite et je découpe, ce qui forme la tête du poisson. Je vais maintenant découper des bandes qui iront du bord de la diagonale jusqu'à mon trait de pliure. Je commence à 4 cm environ du bord pour laisser la place de la tête. J'ouvre complètement mon pliage et là je vais dessiner les yeux du poisson de chaque côté de la tête. Je trace deux ronds et je dessine également les pupilles. Je retourne mon poisson. Et je rabats mes deux triangles de papier qui ne sont pas découpés. Sur un des deux, je mets de la colle. Et j'assemble les deux triangles en les superposant. Voilà. Je le mets de côté et dans les morceaux restants de la feuille, je vais réaliser les nageoires et la queue. Je plie la feuille en deux. Je vais tracer des petites formes comme ça que je découpe. J'ouvre mes deux formes et je vais leur mettre un peu de couleur. Voilà, à vous de personnaliser votre poisson. Je mets de la colle au centre des deux formes.
je colle la plus petite à l'extrémité pour former la queue. Et la plus grande au centre pour former les nageoires. Voilà, mon poisson est réalisé. Vous pouvez le poser, le suspendre avec une petite ficelle. Voilà, à vous de jouer avec ça, d'en créer d'autres. Vous pouvez également en créer avec des papiers de couleur. Des petits, des grands. Bon bricolage !